Le docteur Delajoux est-il, oui ou non, responsable des graves ennuis de santé qu'a connu Johnny Hallyday l'an dernier? Le neurochirurgien a-t-il commis une faute professionnelle lorsqu'il a opéré le chanteur d'une hernie discale dans cette clinique parisienne en novembre 2009? C'est la grande question à laquelle devait répondre le rapport remis ce jeudi par les experts judiciaires. Et pour l'avocat de Johnny Hallyday, la réponse est clairement oui. L'expertise met en évidence, selon elle, des fautes et manquements caractérisés directement et personnellement imputable au docteur Delajoux. Le chanteur est donc en droit de lui réclamer des dommages et intérêts et il entend également déposer une plainte auprès de l'ordre des médecins. Mais du côté du neurochirurgien, l'interprétation est radicalement différente. L'avocat de Stéphane Delajoux estime en effet que l'expertise est favorable à son client, qu'elle le dédouane même complètement, puisqu'elle réaffirme que l'opération s'est déroulée selon les règles de l'art. Sauf que le rapport dit aussi que le suivi et la surveillance post-opératoire n'ont pas été, eux, conformes aux règles de l'art. En clair, le docteur Delajoux aurait dû prescrire au chanteur un repos strict de 48 heures, ce qu'il n'a pas fait. De quoi évidemment conforter le camp Hallyday dans sa volonté de saisir la justice. Il faut dire que dans cette affaire, les enjeux financiers sont énormes. 11 jours après son opération de la hernie, Johnny avait été admis en urgence dans cet hôpital de Los Angeles pour une infection. Il avait été plongé 2 fois dans le coma artificiel. Une hospitalisation prolongée qui avait entraîné l'arrêt prématuré de sa tournée Tour 66 et donc un considérable manque à gagner pour le chanteur et son producteur de l'époque, Jean-Claude Camus. Si la justice venait à reconnaître une faute du docteur Delajoux, celui-ci se verrait condamné à verser au plus célèbre de ses patients des centaines de milliers d'euros.